Dis donc, quelle boucherie. C'est dégueulasse, hein. Je sais pas qui aurait pu faire ça. Ah, je sais pas non plus, mais en tout cas, ils se sont pas loupés. Ah ben, on va en savoir plus, voilà le légiste. Bonjour, docteur. Monsieur, dame. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dire une femme. Pas très jojo en plus. Ça, c'est vrai qu'elle est moche. Vous avez une idée sur l'heure de la mort? Ouais, je dirais entre 14h32 et 14h35, mais je serais plus précis au labo. On a des pistes? On a 4 suspects. 4 suspects? Ah, allez. Ça rigole pas. Bonjour madame, François Diver, je travaille au Torchon Lyonnais, j'enquête actuellement sur un crime qui a eu lieu mardi matin, je voulais savoir si vous étiez au courant. Bien sûr, je suis au courant, je la connaissais très bien, c'était une de mes filles, elle travaillait avec moi. D'accord, donc apparemment vous connaissiez bien la victime, est-ce que je peux savoir ce que vous faisiez mardi matin? Mardi matin, mais j'étais avec Chichi. Avec Chichi? Oui, Chichi, chez Toiletteur. Sì, police? Pronto, buongiorno. Io so chi è il colpevole. No, mi hanno sì, portato, vestito tutto di portato, nero, sì. Tutto di nero è un uomo con... Andre! Bonjour messieurs. Je m'appelle François Diver, je suis journaliste au Torchon Lyonnais. Je voulais savoir si vous aviez entendu parler du crime de mardi matin. Non. Pas du tout? Non, non, pas de non. Est-ce que je peux savoir ce que vous faisiez mardi matin? Bah, en fait, FIFA s'est sorti la semaine dernière et ça fait 7 jours... ça fait 10 jours que là, je suis dessus. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, bonne journée, messieurs. Ouais. Puis on est en train de jouer. Ouais Michel? Ouais Michel, j'ai une info là. Ouais, il faut qu'on y aille. Ah bonjour, justement oui. Je vous cherchais. François Diver, je suis journaliste au Torchon Lyonnais, je voulais vous poser d'autres questions. Est-ce que vous êtes au courant du meurtre de mardi matin? Ah non, moi je viens d'arriver, je suis nouveau, j'ai rien vu. D'accord, vous avez rien vu du tout? Absolument rien. C'est embêtant. Bon, passez une bonne journée. Vous aussi, au revoir. Ouais, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir s'il y avait un peu de neuf par rapport à l'enquête, si vous aviez trouvé d'autres suspects. Oh, pas grand chose de neuf, mais on cherche des suspects là. Ah ben voilà un justement. Tenez Alice, convoquez tout le monde, on a du boulot. Oui monsieur. Bon, j'espère qu'ils vont se dépêcher cette bande incapable. Ah, voilà. Bonjour. Évidemment, évidemment mademoiselle excusez-moi. Gibert. Excusez-moi hein, pour le retard. Hein, toujours la dernière mademoiselle Gibert. J'étais coincée hein dans les transports. Bah oui, elle manque pas d'air mademoiselle Gibert. Ouais, non, maintenant j'aimerais un peu de silence voilà, quand même. Alors écoutez-moi. Pour l'instant, on a 4 témoins. Rien de plus. On a une scène de crime qui est une véritable boucherie. Hein, il y a du sang partout. Catastrophique. Cette enquête, il faut qu'on soit très efficace. J'aimerais qu'on l'ait bouclée rapidement. Alors vous avez tous reçu votre directive. Maintenant, au boulot. Je vais prendre une vodka, s'il vous plaît. Vous avez l'air tracassé, non? Ouais, je suis sur une enquête en ce moment et on sait pas vraiment comment on va s'en sortir, c'est compliqué. Ouais, mais vous avez l'air d'être un bon journaliste, non? Ouais, j'espère. Bonjour monsieur. François Diver, je travaille au Torchon Lyonnais, j'enquête actuellement sur un crime qui a eu lieu mardi matin. Je voulais savoir si vous aviez connaissance de cet acte. Ok d'accord, sans ces putains de junkies. On va tirer. Pardon. Mais... excusez-moi.
Est-ce que vous êtes au courant du crime de mardi matin? Son retour, c'est lourd, trop lourd, beaucoup trop lourd.